mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette émission Nos Amours d'Opérette. Nous avons concocté de nouveau un spécial opérette, évidemment, vous aurez aussi l'occasion d'avoir de l'opéra, de la comédie musicale, comme d'habitude, accompagné par le talentueux musicien, monsieur Anthony Sikopoulos au piano, Jean-Marie Fossoul à la basse et monsieur José Matonnet à la batterie. Donc, aujourd'hui va être un jour un peu particulier. Vous allez voir, nous allons commencer ce spectacle, parce que, appelons ça spectacle, même si c'est une émission, nous sommes dans les conditions spectacle. Donc nous allons commencer par un extrait de La Grande Duchesse de Gerold Stein, interprété par Johan Deum. Ah, que j'aime les militaires! Interprétation signée Johan Deum et Anthony Sikopoulos, bien entendu, à l'accompagnement musical. Et bien voilà, sans plus attendre, revenons à la chanson. Revenons, oui, parce que
Vous savez, Nos Amours d'Opérette, ce n'est pas seulement de l'opérette à l'état pur, ni de l'opéra. On peut passer très bien par la comédie musicale, mais aussi par la belle chanson que nous interprétait le regretté Luis Mariano. Donc, voici pour suivre un artiste que nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau de Nos Amours d'Opérette, qui va vous interpréter un air de Luis Mariano, qui est plutôt repris dans un répertoire de chansons. Vous allez la reconnaître. Cette chanson s'intitule tout simplement « Tout un programme ». Je n'aime que toi, Jean-Marie Launeux. Je n'aime que toi depuis que ma lèvre a connu la fièvre de ton baiser. Que toi et mon cœur ne rêve qu'à cette heure brève qui m'a grisé. Ma voix nuit et jour, malgré moi, t'implore, car je doute encore de ton retour. Mais quand je te vois, tu chantes avec moi. Je n'aime que toi, que toi. J'ai délaissé tout mon passé depuis que tu vins sur ma route. Mes souvenirs sont dépassés et je redis sans me lasser. Je n'aime que toi depuis que ma lèvre a connu la fièvre de ton baiser. Je n'aime que toi et mon cœur ne rêve qu'à cette heure brève. Ma voix nuit et jour, malgré moi t'implore, car je doute encore de ton retour. Et mais quand je te vois, tout chante avec moi. T'implore, car je doute encore de ton retour. Et mais quand je te vois, qu'on chante avec moi, je n'aime que toi. Que Jean-Marie Launeux, je n'aime que toi, sublime interprétation. Vous savez, ce sont des chanteurs qu'on aime recevoir, qu'on aime accueillir dans nos émissions aussi. Alors, de la chanson, qu'est-ce que vous en pensez les gars, hein? De la chanson, on pourrait repasser à l'opérette moderne, comme on dit. L'opérette moderne avec une chanson tirée d'une opérette qui s'appelle Dédé. Alors, si je vous dis « Dans la vie », faut pas s'en faire. C'est ce qu'on peut se dire tous les jours. C'est notre quotidien de se dire cela. Dans la vie, faut pas s'en faire. Interprété aujourd'hui par Monsieur Roberto De Bruyne. Mmh.
En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma tante. Tout autre que moi ce serait dit. Je vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau. Enfin des morts bien naturelles. Et puis pour finir en beauté, je me suis tué à répéter. Dans la vie faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je n'en fais pas. Je rentre à Paris, mais mon notaire me dit votre père plein d'attention. Pourquoi la conseil judiciaire et 25 louis par mois de pension. Et comme je connais plus personne dont vous puissiez être héritier, faut travailler, prendre un métier. C'est le conseil que je vous donne. Tu dis comment vous voudriez que je prenne le pain d'un ouvrier. Dans la vie faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je m'en fais pas. Je n'ai pas un caractère à faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je m'en fais pas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je m'en fais pas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je m'en fais pas. Roberto De Bruyne, dans la vie, faut pas s'en faire, tout simplement. Eh bien, voici maintenant, poursuivre, revenons à des airs plus sérieux, plus de bravoure. Des airs, on va repartir directement dans une atmosphère d'opéra. L'opéra, interprété évidemment avec cette voix divine. Cette voix divine qui est autre que Johann Deum, qui nous interprète l'air de Mimi, de la Bohème. Johann Deum. La storia mia i brivi a te la oasi.
Une somptueuse interprétation par Madame Joanne Deshommes. Écoutez, vraiment, et un grand merci aussi à Anthony Sikopoulos pour cet accompagnement divin. Voilà, ça aussi, la Golden TV, ce sont des grands moments de partage, de grands moments, de grandes voix, des moments que l'on partage tous ensemble, des moments qu'on peut dire qu'on a vraiment beaucoup de chance, finalement, quelque part, de pouvoir partager ces moments avec vous, parce que ça nous permet à nous aussi artistes, de nous exprimer et de vous donner du bonheur. Encore une fois, je me répète, cette chaîne Golden TV, c'est 100% divertissement, 100% bonheur. Alors, pour continuer cette belle programmation, je vous propose de partir dans un pays lointain, vers la Russie, Balalaïka. L'air titre, l'air phare de cette opérette, interprétée pour vous, par Louis Pic, Balalaïka. Tout là-bas, quand le printemps fleurit, il est un coin de paradis. Une auberge au fond d'un grand jardin, parmi les roses et les jasmins. Oh, quel adorable asile! Comme on se sentait bien dans ces îles. On y goûtait par des nuits de mai, des joies qu'on n'aura plus jamais. Était belle au son joyeux des balalaïka. On se guisait d'amour et de vodka en riant aux éclats. Que se rappellent les doux instants de ce joli temps-là, dans l'air flottait des parfums de lilas. Que c'est loin tout cela. Silencieux, comme
sincèrement pouvoir aux accords ou aux accents délicats des balalaïcas. Bien que sa bonheur se soit enfui, son doux souvenir me poursuit. Et malgré moi, toujours ma pensée revient à ces beaux soirs passés. Ah, qu'elles étaient jolies, ces nuits de faiblesse et de folie. Où sont-ils tous nos espoirs d'antan? Où sont nos rêves de vingt ans? La vie était belle au son joyeux des balalaïcas. On se grisait d'amour et de vodka en riant aux éclats. Je me rappelle les doux instants de ce joli temps-là, dans l'air flottait des parfums de lilas. Que c'est loin tout cela, dans les sentiers qu'on se promenait de soir de printemps, si langoureux, comme on y était heureux. La vie était belle, et l'on échangeait les serments aux accords doux, aux accents délicats. Monsieur Louis Pic dans cette interprétation magistrale de Balalaïka, une opérette vraiment que l'on affectionne vraiment, vraiment beaucoup. Alors, ben, continuons sur notre lancée sur des airs d'opérette, mais des airs aussi, des airs un peu à connotation viennoise. Alors, là, elle va vous inviter à un beau soir de Vienne. Si vous êtes chez vous, si vous avez envie de prendre votre partenaire et valser chez vous, tourbillonner au son de la valse viennoise, je vous invite tout simplement, en compagnie de Nathalie Solos, à passer un beau soir de Vienne. Yeah!
Nathalie Seloz dans ses somptueux airs de Un soir à Vienne. Eh bien, continuons tout de suite, passons de Vienne à la Méditerranée, sans plus attendre, avec monsieur Roberto De Bruyne, qui nous interprète cet air magnifique, l'air titre de l'opérette Méditerranée. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, et les jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor. De lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. De Bruyne dans cette ère de Méditerranée endiablée et ensoleillée. Alors, sans plus tarder, retournons dans l'opérette viennoise, la grande opérette viennoise de monsieur Franz Lehár. Si je vous dis La Veuve Joyeuse, vous allez me répondre certainement chez vous, exquise. Non, ce n'est pas celle-là. Il y a un autre air de bravoure dans cette somptueuse opérette qui s'intitule tout simplement L'air du pavillon, interprété par notre ténor de ce soir, et donnera la réplique Nathalie Seloz, Nicolas Pic et Nathalie Seloz dans L'air du pavillon. Et c'est bien se faire en plein de voix.
sanglots profonds et longs, des tendres violons. Magistraux, donc, l'air du pavillon et la petite surprise, la cerise sur le gâteau, heure exquise qui nous grise lentement. Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère vraiment que vous passez un agréable moment en notre compagnie avec nos amours d'opérette, bien entendu. Et voici maintenant, pour suivre, vous allez retrouver M. Jean-Marie Launeux dans une autre chanson qui s'adresse à vous. À vous, mesdames, à vous les grands-mamans, à vous les mamans. Cet air, c'est une chanson qu'il a créée pour sa maman à lui. Monsieur Luis Mariano était très fier de la chanter. Il a chanté avec tellement de conviction, tellement avec amour et sincérité. Et je crois que ce soir, Jean-Marie Launeux va vous faire cette même interprétation. Jean-Marie Launeux, maman la plus belle du monde. Le visage d'un ange du paradis. Et dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. Maman, c'est toi la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras. Autant d'amour inonde mes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge, le petit enfant sage des jours heureux. Mais les rêves s'achèvent.
maman, c'est toi la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, Jean-Marie Leneux, maman la plus belle du monde. Eh bien voilà, ça c'était un cadeau. Un cadeau de Jean-Marie Leneux, un cadeau de la part de toute l'équipe de la Golden TV. Maman la plus belle du monde, quoi de plus beau comme cadeau. Alors, je voudrais maintenant venir à une opérette qu'on ne joue plus. On ne joue plus car on n'a plus les moyens de s'offrir. N'importe quel théâtre ne peut plus offrir de créer, de recréer, de rejouer. D'ailleurs, c'est bien simple, on n'a même plus les droits. Ce sont des droits américains. C'est une opérette qui date d'il y a quelques années, mais croyez-moi, elle a resté gravée dans vos mémoires et dans vos souvenirs. Si je vous dis le chant du désert. Dans le chant du désert, il y avait deux airs. Deux airs principaux, il y avait « Je ne veux que son amour » et « Viens ». C'est le chant du désert. Eh bien, ce soir, c'est notre baryton Louis Pic qui va vous faire l'honneur de vous interpréter ces deux titres en exclusivité, je vais dire, pour cette émission de opérette de nos amours. Louis Pic dans un petit medley du chant du désert. Voilà mon seul vœu, une
honteux dans l'avenir ne pourra pas parvenir à chasser sa place de mon souvenir. Je ne veux que son amour, et je ne veux que ses caresses. Elle est seule et sans retour de mon âme et de mon cœur, maîtresse, me guérissez de ses baisers pour voir m'enivrer de sa jeunesse, l'emporter dans le désert un soir. Voilà mon seul espoir. Désert, je ne veux que son amour. Viens, c'est le chant du désert. Eh bien voilà, tout un programme. J'espère que notre programme vous aura plu. Je pense que nous aurons eu de tout, de l'opéra, de l'opérette, de la chanson, de la comédie musicale, et même plein de musique, des musiciens qui sont là très souriants, très 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 présents pour vous donner plein de bonheur. Je vous présente Jean-Marie Fossoul à la basse et mon ami José Matonnet à la batterie. Eh bien, pour terminer en beauté cette émission, eh bien, partons directement vers Mexico. Mais avant cela, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro présenté cette fois par mon ami Philippe Béranger. Un nouveau numéro donc de Nos Amours d'Opérette. Je vous donne rendez-vous à très bientôt et nous partons sans plus tarder à Mexico. Ciao! On a chanté les Parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout sous le beau ciel de Mexico. Au sang des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la peine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine d'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Et Mexico, et Mexico, sous ton soleil qui chante. Être pareil, coco, pour goûter au voilà de chaque jour. Et Mexico, et Mexico. Des façons
pays. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le beau ciel de Mexico. Ça dure à peine une semaine, et quelle semaine, et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un temps de boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine d'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Y Mexico, y Mexico. Tout au soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Y Mexico, y Mexico. Tes femmes sont à rentrer, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour.